Nicolas Schaeffer fut l'un des précurseurs de l'art cybernétique. Lumière Espace-Temps propose 14 artistes en hommage à ce génie visionnaire. Le grenier à sel d'Avignon innove une fois de plus dans le domaine de l'art vidéo et des mouvements de la lumière jusqu'au 19 décembre en entrée libre. Peinture et la perception. Et en fait, de la perception, je me suis posé des questions sur les dimensions de l'espace dans lesquels on habitait. J'ai rencontré des astrophysiciens, j'ai commencé à faire des pièces autour de sujets liés à l'astrophysique, d'accord, dans lesquels il y a quand même beaucoup de phénomènes de lumière. C'est pour ça là, j'expliquais que cette pièce était tirée d'un projet sur un coucher de soleil martien, qui est un sujet classique en peinture, le coucher de soleil. C'est vraiment... Et donc, c'est comment aujourd'hui, nous, notre génération, de peintres ou, je ne sais pas, de plasticiens, on ne va pas dans les champs comme les impressionnistes. On a encore d'autres possibilités qui sont les modélisations d'univers qu'on ne peut pas percevoir. Ouais. Et donc, je m'intéresse à la perception toujours de la réalité. Et en fait, ce qui m'intéresse dans l'astrophysique, c'est vraiment la métaphysique. Ce n'est pas forcément, c'est plus la caverne de Platon. C'est comment, où on habite et essayer de comprendre dans quel monde je vis. Mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment une approche de peintre. Disait l'artiste ne crée plus une œuvre et crée la création. Je pars de là pour pouvoir créer un tableau géométrique toujours parce que j'adore la Bauhaus, j'adore tout ce qui est le constructivisme russe et toute cette époque-là. Je m'inspire de cette époque-là et je crée un tableau où normalement je laisse la possibilité au public d'échanger, d'avoir l'émotion. En fait, pour moi, le plus important qu'il y a dans la création d'un tableau, c'est l'émotion dans le moment où on crée le tableau. Et cette émotion-là, parfois, elle est pas atteinte par le public parce que c'est l'artiste qui l'a créé. C'est le moment d'émotion qui lui donne l'œuvre. Et j'essaye de voir si le public peut réussir à trouver cette notion de créativité. Alors, l'idée de cette... image, si j'ose dire, qui est imprimée, c'était le projet en fait était d'essayer d'imprimer de la lumière. Alors c'est un peu paradoxal d'imprimer de la lumière parce que pour imprimer on doit utiliser des pigments. Les pigments ça absorbe la lumière et donc pour imprimer de la lumière on a besoin de moduler les valeurs entre le noir et le blanc. Et en fait entre le noir et le blanc on n'a pas grand chose. On n'a pas beaucoup d'espace entre le noir et blanc comparé à la lumière réelle qu'on peut voir dans la vie de tous les jours, où il peut y avoir des contrastes bien plus grands que ce qu'on peut obtenir en impression ou en peinture. Malgré tout, ça fait quand même plusieurs siècles que, si on regarde un peu dans l'histoire de l'art, l'idée de peindre de la lumière ou de peindre des effets de lumière avec des pigments, c'est une question très classique, en fait, très... qui a été très explorée, et c'est, donc cette œuvre c'est aussi une forme de dommage ou de réflexion sur l'histoire de la peinture en même temps. Imaginez-vous à la fin d'une journée, lorsque le soleil commence à tomber et que l'horizon devient un petit peu coloré, vous pouvez tracer mentalement une ligne qui va aller de l'horizon jusqu'à un certain point dans le ciel où le ciel va être bleuté. Alors cette œuvre, en fait, c'est, on pourrait dire, une extraction de cette ligne imaginaire que j'ai été attrapée dans le ciel et que j'ai rematérialisée sous la forme d'un volume qui, en fait, reprojette autour de lui-même, en tout cas d'un côté de lui-même, une forme d'image de ce ciel qui a été extraite. Et alors, ce qui est... En fait, l'intention derrière ça, c'est que pendant longtemps, j'ai travaillé la nuit.
Et puis il y a à peu près 3 ans, j'ai changé d'atelier. Je suis arrivé au 5e étage dans un atelier très lumineux. Et même si je travaillais la lumière, je travaillais toujours avec des lumières artificielles de nuit. Et d'un coup, j'ai un peu redécouvert la lumière naturelle. Et j'ai remarqué que chaque jour, quand il faisait beau, en tout cas, il y avait une certaine heure où la lumière était assez particulière et où elle projetait sur la peau humaine et sur les objets qui sont éclairés. Quelque chose d'un petit peu intéressant, d'un petit peu magique, que je trouvais très beau. Et donc je me suis posé la question, mais pourquoi, par exemple en photographie, dans les studios de photographie, quand on utilise de la lumière du jour ou daylight, généralement c'est une lumière tout à fait blanche, qui n'a pas de variation de couleur et qui est diffuse, donc qui vient un peu de toutes les directions. Et en fait, ça ne ressemble pas du tout à la lumière naturelle, cette lumière de studio, parce que dans la lumière naturelle, il y a différentes couleurs de lumière qui viennent de différents points de l'espace. J'ai plusieurs œuvres qui sont comme des... Vous voyez qu'il y a des neuf éléments principaux, ou neuf modules, je les appelle. J'ai fait souvent des œuvres avec un seul module. Et à un moment donné, j'ai imaginé, pourquoi pas faire un ensemble des œuvres dont chacun a sa propre danse. Je les appelle des danses, un peu mélodiques, dans un certain sens visuel. Et bon, chacun sa danse, et entre tous, ils font aussi une danse. Donc, c'est pour ça que j'utilise le terme « inception », parce qu'il y a un dedans l'autre. Originalement, j'avais imaginé cette œuvre, ou une version peut-être un peu plus grande, pour la Cité radieuse, pour l'espace maman, la Cité radieuse. Mais finalement, on n'a pas pu l'installer. Et c'était installé à la Maison de l'Amérique latine pour la première fois, et puis ici.